Nous passons au temps de la parole, la méditation de la parole. Aujourd'hui, nous commençons notre deuxième semaine, dont le thème est le péché qui éloigne de Dieu. Le péché qui éloigne de Dieu. Et pour notre méditation, nous allons prendre le texte tiré du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 59, les versets 1 à 3. Écoutons. Non, la main de Yahvé n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille revue pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont creusé un abîme entre vous et Dieu. Vos péchés ont fait qu'il vous cache la face et refuse de vous entendre. Car vos mains sont souillées par le sang et vos doigts par le crime. Vos lèvres ont proféré le mensonge, votre langue médite le mal. Parole du Seigneur. La belle nuit. Amen. Le péché t'éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Ce n'est donc pas une émotion, vous l'avez très bien suivi. Oui, Dieu n'est pas sourd, sa main n'est pas courte. C'est parce que ce sont nos fautes qui créent un abîme, une distance entre lui et nous, qui fait que justement il ne nous écoute plus et ne sentons plus sa grâce. Oui, on peut se demander en quoi est-ce que le péché nous éloigne-t-il de Dieu? En quoi est-ce que le péché nous éloigne de Dieu? En fait, pour beaucoup de personnes, c'est une question tout à fait banale. Est-ce que le péché peut éloigner de Dieu? Elle est banale. Ce qui nous prouve qu'elle est quand même connue, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le péché, mais qui estiment être proches de Dieu. L'une des preuves les plus évidentes, c'est parce que nous voyons beaucoup de prières qui passent pour avoir un an, en tout cas beaucoup d'années, très bien comme si c'était normal. Les plus sages nous communiquent de se confesser en moins que les papas, le temps de Noël et le temps de l'année. Parce que là, il y a ce qu'on appelle les confessions solennelles. Et donc, c'est là qu'il a dit, ah, il faut au moins le savoir pour le jour où il y a le monde. Oui, Dieu, le péché nous éloigne de Dieu. C'est une question assez complexe. Nous pensons, on se demande, est-ce que vraiment c'est ça a du sens? Parce que dans Romains chapitre 8, on dit, qui pourra nous séparer de la main de Dieu? Ni la mort, ni la vieillesse. Est-ce que le péché doit être plus fort que la mort pour nous séparer, pour nous éloigner de Dieu? C'est donc une question qui fait partie de l'existence. En fait, oui,
cette pensée de l'humanement de Dieu vient dans un contexte bien précis. Lorsque le Père de Dieu l'Assemblée a fait le sac de la Bible aussi, Père de l'Assemblée a fait le sac de la Bible, Père de l'Assemblée a fait le sac de la Bible, mais Père de l'Assemblée manque le sac de la Bible, Père de l'Assemblée, et donc, on se demande, est-ce qu'il y a un homme qui a été en train de oui, avant la Missa, que ma soeur, qui est Zéka, c'est-à-dire que la Kulakina, qui n'est pas de nous, n'a pas envie, il faut d'abord qu'on essaie de voir le péché. C'est quoi le péché? Parce que tout part de notre conception du péché. Il est dissous. Le péché, selon la Bible, est une faute, erreur, qui vient inhiber de ça. Un manquement à quelque chose ou à une action. Mais seulement, ce manquement a des effets soit sur soi, soit sur l'autre avec qui nous sommes en relation de manière privilégiée. Mais la paix pour être pour nous, oui, disons-nous que désobéissance à Dieu, mais aussi à toute réalité en son temps. C'est-à-dire, papi nous n'a qu'à dire, il y a qui n'a qu'à nous le qui coule, il y avait donné, n'a zami, tata, n'a moana, n'a qui nous disant tout. Mais il y a aussi, n'a l'église. Parce que parfois, on nous dit ça, nous croyons en l'église. Mais bien sûr, il y avait une église, les amis. L'église n'avait donné dans le sens zone. Il y a des il y a des îles, mais il y a des zones, il y a des îles, tout est grand, il y a des gens qui ont sauté dans le coup, dans les zones. Oui. Donc, la bête, quand elle est dans le sens de la ça veut dire que les salles qui manquent, que la police a des salles, il y a des amis, il y a des indicateurs, il y a des zoos, il y a des bambous, il y a des bambous, oui, quand il y a des salles qui manquent, il y a des zoos, parce que les zoos, moi, il y a des amis, il y a des bambous, il y a des zoos, il y a des salles, il y a des évangiles, si les pénas, ça va être Yahweh. Il y avait dissous le péché. Oui, il y a aussi dissous, si bien que la salade, membre ou bien que la statine, la guidose qui s'en va. Si bien que la salade, membre, babine, ami, et bien ça va dire, oui, les péchés que Dieu a de mal à pardonner, ce sont les péchés contre l'Esprit Saint. Appelez-vous. Oui. Et donc, en plus de ça, oui, il y a aussi des péchés contre l'Église. C'est-à-dire, si tu boudes, c'est fait pour dans la salle, mais son fille. Bon, comme ça, on dit la salle, la salle, en fait, il y a une question. La paix de Dieu. Et puis, là-bas, ça, c'est juste pour dire, par exemple, ça, c'est une question. Comme ça, on va voter. Parce que après, il n'y a pas de cas, par exemple. Par exemple, pour que les il n'est pas dissous. Maintenant, il n'est pas le commandement de Dieu. Bon, vous savez, il y a des dissous, il y a ça, vous savez que le commandement de Dieu. Oui, et le commandement de Dieu, nous le savons, va qu'il y va qu'il y a il y a été, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu
Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te prosterneras pas devant d'autre Dieu. Ça veut dire quoi? Que si Nakati a dit ou Yahvé, qui que Nakati a dit ou Tatanza, ça veut dire que, justement, bébé ne se moque. Si nous avons dans nos vies des choses qui semblent avoir la valeur de Dieu, ça veut dire que lui, nous sommes des gens qui ont péché. Nous péchons. Et là, ça va de soi. S'il y a quelque chose qui a la même valeur que Dieu et à qui nous accordons cette importance, c'est comme si, non, on pouvait plus cette chose-là que Dieu. La parole de Dieu dit, nul ne peut aimer à la fois Dieu et Dieu. Dieu est l'argent. Enfin, c'est un exemple. La parole de Dieu a parlé de Dieu et Dieu. Quand on s'attachera à l'un, on ne réussira à l'autre. Si nous avons d'autres choses, la vie est prête à voir la vie d'être calme. Oui, il y a des gens qui ont dit, mais il y a des gens qui ont dit là, ah, il y a des gens qui sont. Et bien sûr, il y a des gens qui sont bien. Parce que, bébé, la gala, il y a des bananes. Vous dites que c'est le mieux et le plus grand péché. Avoir autre chose dans sa vie qui a une valeur de divinité. C'est ça, la première. Le premier péché, l'idolâtrie. Dieu peut être une chose dans le monde de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est une divinité. C'est une vérité. Même si Baba nous dit dans notre temps que Ben Akakuma, c'est une vérité. Ben ça, il y a tout. Baba Kuba qui n'a pas dit qu'il n'y a pas. Même si Baba Kuba n'a pas dit qu'il n'y a pas. Même si Baba Sara il dit, il faut d'abord battre. Toujours. Et parfois même, il y a d'autres choses. C'est-à-dire, Baba Kubake n'a pas vu. Balaisa Akakina, il faut d'abord avoir une vérité. Nous, tu y en as, nous, qui n'a pas la vision. Ah, pour ce que ça a dit, il y a. Pour ça, nous, pas ça. C'est-à-dire, moi, mon nom, tout le monde, il n'a qu'à ce que ça. C'est là qu'il y a un peu de ça. Et pourtant, le commandement est de Dieu est clair. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas de fétiche, tu n'auras pas de statue, tu n'auras rien qui a une valeur de divinité. Mais parfois il y a des moi comme quelqu'un. Bébé sont si à la première. Quand bébé est là, Babi le mot est petit, Babi son nom est fini. Il y a qui va bien, à quoi vous allez aller. Et ici, Mais là, avoir une autre divinité, des divinités à la maison, divinité, il y a Mazda, divinité, il y a, comment on appelle ça, il y a Haïti, divinité, etc. Avoir une autre divinité, une autre référence, quelque chose d'autre qu'on peut consulter et qui peut nous donner, nous permettre d'obtenir les choses à nous. C'est un péché. Ça veut simplement dire que les arbres, si pas nous aider à aider à ce cas de nous, nous sommes. Nous savons ce qu'il y a, mais je suppose que ce n'est pas quelqu'un. Mais il y a quelqu'un, disons, il y a des. Et justement, puisque dès qu'il y a des arbres, il y a vraiment une forme de comparaison. Ah, oui, ils sont bien, nous, la terre, ça va. Après, c'est naturel.
c'est que oui, on parle chez Dieu, mais notre réalité va être en faveur, et c'est comme ça que ça met une distance au salut des lois de Dieu. La paix de Dieu. Les fétiches nous éloignent, mais en fait, c'est juste ce que je vais dire. Oui, les fétiches nous éloignent. Et quelque chose qui est bizarre, on a l'habitude de voir ça. C'est-à-dire, c'est clair. À la fin, il faut être clair. On n'est pas en train de dire qu'il faut abandonner sa culture. Mais dès ça, au dépôt, il y a la carte, il y a la tradition, il y a des côtés mentales. Que les gens ne peuvent pas faire ça. Oui, ça peut être ça. Mais la vie n'a pas ça. Si les gens ne savent pas, il y a quelque chose. Sous la paix. Oui, un autre péché, et il y a une acte, il y a la lecture. Tous les 10 commandements, juste à titre de la paix, non sous la carte, il y a l'exode chapitre 1. Et c'est clairement dit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. C'est vrai, nous avons bien aussi dépêché pour. C'est-à-dire, habitude, il y a pour Satan dans la Bible, mais il faut être ça, c'est-à-dire, il faut que Satan dans la Bible, il n'y a pas de nous. Il y a des noms qui sont sacrés. Mais ça, même la Bible, il y a des choses qu'on ne dit pas, vos divinités, etc. On ne voit pas, on ne parle pas de ce nom-là, mais pourquoi ça dans ça maintenant? On peut garder, ah, Jésus a cessé, Jésus a cessé, ah. Le nom de Jésus est un nom sacré. Et il y a cela quelque temps, je me suis même de participer à une campagne d'évangélisation. Et pour préparer ça, j'ai quand même essayé de parcourir les musiques religieuses. Et j'ai constaté qu'il y a très peu de musiques religieuses sur le nom de Jésus. Hein. On parle beaucoup des armes, on parle de vie, Dieu, etc. Mais il y a quelques religions qui ont vraiment le nom de Jésus. Puis on va dire Dieu a fait ceci, on va nous dire il est. Mais parfois, on ne dit pas Jésus. Et pourtant, nous ne savons pas bien. Jésus veut dire le Seigneur sauve. C'est parce que c'est un nom qui a un pouvoir. Et pour ne pas baptiser le pouvoir, c'est ça qu'on dit, ah, il faut pas qu'on s'amuse avec. Parce que sinon, c'est le signe du mépris de Dieu. C'est le signe du mépris. Bon, pas seulement Dieu, mais les autorités, on ne s'amuse pas avec eux. On ne va pas dire n'importe quoi sur le président de la République ou sur le maire, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et donc, si on dit du n'importe quoi, il y a des gens qui ont la dépit. Or, quand on épuise quelqu'un, quand on épuise une réalité, c'est pour dire qu'on s'éloigne de la personne, la réalité. Juste pour dire que l'Éternel a tout péché, crée une distance avec Dieu. Parce que le péché, c'est comme une forme de dévalorisation de Dieu, c'est comme une forme de manque de considération de Dieu. Oui, l'autre péché, c'est tu sanctifieras le jour du Seigneur. Ah! Oui. Le fait de ne pas partir à la messe du dimanche, il y a des sous. Il faut mettre ça à rien. Il faut mettre ça à rien. Parce que ça ne vient pas de nous. C'est dans la parole de Dieu. C'est ce qui avait été écrit, communiqué à Moïse. Il faut sanctifier le jour du Seigneur.
ne pas aller à la messe le dimanche, c'est un péché. Oui, il y a beaucoup de gens que nous connaissons. Quand ils n'avaient pas d'emploi, ils n'avaient pas de travail. Non, ils étaient là du lundi au lundi. C'est-à-dire qu'ils ouvrent deux jours pour pas travailler plus dans le lundi. Mais quand on est sur la salle, quand on va dans la salle de lundi au samedi, ah, mais nous, c'est un canal qui l'ouvre, il y a dimanche, il faut. Vous soukou la balée, vous mouillez quelque chose, il faut, vous cabarez, vous mouillez, il faut bien ça, il y a des tissus, il y a des tissus, et il est fait la tata, c'est le troisième péché, c'est le troisième commandement. Il m'a dit que lui, on peut dégager sa porte, si vous pouvez vous élever, il n'y a que ça, ça fait partie des péchés, des péchés majeurs. Sans afficher le nom du Seigneur. Mais il faut aussi aller plus loin, il faut comprendre. Ce qu'il faut aussi comprendre derrière tout cela, Dieu a stratégié ce jour parce que c'est le jour du repos. Ce que je vais dire, il peut paraître bête, mais c'est vrai. Les gens qui ne se reposent pas, il y a des soucis. Oui, les gens qui ne se reposent pas, comme on décide que nous sommes des super guéris, Non, ceux qui ne se reposent pas, oui, ils sont aussi de nouveaux pécheurs. Dieu lui-même, il a créé et le septième jour, il s'est reposé. Il faut prendre soin de son corps. Celui qui ne prend pas soin de son corps, lui, est en train de pécher. Il faut avoir la force pour travailler, parce que le travail fait partie de la construction de l'homme. Genèse chapitre 1, verset, je pense, c'est ne regardons pas seulement aller du milieu. On a aussi dominé la terre à assujettissé là. De manière de dire, il faut mettre ça là. Et donc, on dit, qui va aller loin? Ménage sa voiture. Ménager sa voiture, c'est de prendre le repos. De prendre le repos. Bon. En parlant de repos, je peux aussi aller dans quelque chose. Qui est écouté une profonde. Quand on était à cela, le jour, dissous, il y a l'ennemi, toujours. Benzaïa, Yakudasou. Le gros péché des hommes, c'est la colère. Mais nous ne savons pas, ou bien beaucoup de gens ne savent pas. Mais quelqu'un se met en colère lorsqu'il est fatigué. C'est l'épuisement, c'est le stress. Si on pêche beaucoup, surtout ce péché de la colère, parce qu'on ne se repose pas, nous n'avons pas une bonne hygiène de vie. On ne prend pas le temps de se reposer. Il doit alors la parade. Il y a là, toute la journée, la copine a fait un animal. Il a beaucoup cassé la tienne de la mafieuse. Après, vous venez de vous caractériser, tu es venu de la soutien. Mais aujourd'hui, on voit seulement les amis qui sont en train. Mais on voit aussi que les gens ont de plus en plus des vies dangereuses qui ne se reposent pas. Et pourtant, oui, Dieu sait comment il a fabriqué son chien et l'homme. Il a permis que l'homme se repose pour avoir assez de force pour le lendemain. Oui, et quand je parle de la colère comme un péché, je vais vous dire, la colère est un péché. Pourquoi c'est un péché caractère? Quand il y a ce là, tu vas faire pour le crier. Il y a des boules qui étaient là-bas, et avec la colère, on ne sait pas ce qui va arriver. Il y a des boules qui sont là. Il y a la colère qui peut mourir, etc. C'est pour ça qu'on appelle cela un péché capital. Il y a beaucoup d'autres péchés capitaux, la gourmandise. Quelque chose de bizarre, vraiment quelque chose de bizarre.
À la messe, là, les gens ne se bousculent pas. La prise pour moi, les gens ne se bousculent pas. Il n'y a pas de bousculade. Mais dans les faits, Maïa, elle est là-bas, tu vas nous donner. Il faut que ces faits soient tristes. Sinon, c'est un péché. La marise est un péché. On voit la gourmandise simplement sur la question de la nourriture. Mais la gourmandise va plus loin. Quand je prends tout pour moi, c'est quoi cette gourmandise? Il y a des gens qui ont dit ceux qui prennent beaucoup de bouteilles. C'est fait de la micro-dimension. Puis, vouloir tout pour soi, oui, c'est un péché. Qu'est-ce que vous dites? Niqué. Oui, ça vient aussi avec notre péché. Oui, la question de la jalousie, de l'envie. Oui, il faut toujours le protéger. Niqué déjà. Les personnes qui ont le plus de péché de la vie, mais ça, va même, va quelque chose. Lui, bon, c'est vrai, c'est discutable, mais il est difficile pour des fois de sortir avec un plan de marché et de bien juste avec ses questions. Alors, si vous avez un homme, vous avez fait la liste, il va partir, c'est ce que vous avez demandé, il va partir. Mais une manière de dire que quand on regarde, ah oui, il n'a pas rien, après ça, on peut le faciliter. Mais c'est juste une estimation. L'envie, oui, il faut toujours avoir, il faut toujours avoir. Et pourtant, Bézabatir, la vertu, parce que le péché c'est comme un vice, il n'y a rien. La vertu c'est quoi? C'est la pauvreté du cœur. La pauvreté, mais les calculs, peut-être qu'il y a un problème, mais ce que j'ai, je me suffis de ça, c'est important. On peut continuer à parcourir les différents péchés capitaux, on va voir tel qu'on reviendra sur certains péchés capitaux. Dissoumiyakaka, le quatrième commandement, honore ton père et ta mère. L'honneur. Si on honore pas ses parents, oui, c'est un péché. C'est-à-dire, quand il y a des gens qui ont appelé ça réputation, il y a pas parole. Ah! C'est-à-dire, assez régulièrement, nous recevons des mamans, ce sont les mamans qui ont le courage de venir. Ah! Vous avez sa vie à sa maman et à nous. Là-bas, s'il y a un dit là-bas, ok. Mais quand on a là-bas, il y a un ça blesse. Ça ne nous pas. Quelque chose qui est vraiment aussi dans le même sens, qui ne nous donne pas les parents. Peut-être on va dire que c'est une forme de français, il s'est affiché. Et dans cette tricherie-là, il n'y a pas que les élèves, il y a les parents. Parce que c'est un voyant. Voilà comment les examens nous vont arriver. Nous, tout à l'heure, on va ça, on a donné, on a sorti quoi avec les inspecteurs qui vont surveiller les missionnaires pour les examens. Mais on sait, nous savons, parce que les prières viennent après, soit se confesser, soit nous dire la vérité. Il y a des certains endroits où il y a une forme de corruption. On permet aux enfants d'utiliser des prières. Ou à l'époque, on permet la circulation des prières et des prières. Nous n'avons pas. Mais c'est un péché, ça ne nous pas pour pas. Ça ne nous pas pour pas. Qu'est-ce qui va vous donner? Parce que vous aurez 17, des fois 17. Ou à des fois, ok, si j'avais un arabe, un tricheur,
La question de ça, mon ami, ça ne va pas. Oui, il y a cette question de la tricherie, mais la question aussi d'une certaine vie de désordre. Une vie de désordre. Ah, une vie de désordre. C'est-à-dire, celles qui vont souvent du côté de la porte sauvage là-bas, aller se chercher, on dit pas la route là, on voit la route. Partir chercher. Mettez la voix, mettez la voix, mettez les armes. Bon, mais ceux qui vont se chercher dans la côte sauvage, mettez la voix. Pourquoi est-ce que c'est parce que quand il y a quelqu'un qui a fait la sauce, il y a un peu de la sauce, il y a un peu de la sauce, il y a un peu. Mais, attendez un peu, si une personne est partie par là, mais qui est moi là, il est là, c'est une honte, c'est une honte, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. L'autre chose aussi, c'est-à-dire les jeunes garçons. Aujourd'hui, la personne, après ça, elle va voir, mais quand vos parents passent, ou allez, quand on vous voit, on y a des moins d'elle. En fait, parfois, on ne voit pas que c'est une chose que nous faisons. Oui, ce sont des péchés. Parce que honorer notre parents, c'est quoi? C'est travailler, être respectable par rapport pour que les gens, au lieu de dire, là-bas, il y a un papier vraiment, pas que mes biens, mais justement, on a comment là-bas, il y a un salaire, oui, ils sont bien, ils sont polis, ils sont sages, en tout cas, la paix est respectable, etc. Donc, et ça, c'est le dernier péché. C'est-à-dire, parmi les commandements de Dieu, ne veut pas honorer son parent est une faute grave. Surtout du loup-yé, où Bébé va à la prison, dit ah, comment tu mets ma main, tu la gâtes pour toi. S'il y a des vrais, les âmes, il est dégoûté. Mais s'il y a des vrais, ah, il y a des signes. Il y a quelqu'un qui souffre, si bien que vous avez un peu, parce que vous êtes croyant, non, vous n'avez qu'à être calme à l'écoute, vous êtes croyant. Il faut vérifier. Il faut faire très attention. D'abord, vous êtes servi. Vous êtes servi, vous êtes servi, il ne faut pas faire la barre à la porte à la casse à l'écoute. Il y a la vente à la porte. Parce que vous êtes servi. Et même la question de si il était Nata et Nathalie. Vous qui avez des témoignages aussi, c'est pas vous savez si ma mère est là. Il y a des choses à la lien dit que na, comment on appelle ça, au pas de la na exor, na besta la suya. Coco yaya, ma vie n'a pas pire. Il y a des filles avant. Bon, quand des maisons ont dit, maquillez la famille. Bon, ok. La petite va d'abord, mais les amis, même si c'est la condamne à le coup. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous la dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Ça ne sert à rien de tout le temps. Au contraire, si les désirs ont trouvé sa vie à la peur, justement, il y a pas, il y a pas nous, il y a pas de pire. Et surtout que la barbe à sa barbe, ça veut dire que c'est le mieux de ça. Donc il vaut mieux si les désirs ont sa vie là. Ça ne sert à rien de tout le temps. Parce que la vie va, ah, nous avons aussi des bouteilles parce que.
Oui, il y a des choses qu'il faut honorer ses parents. On n'a pas dit que quand ses parents ont des mauvais comportements, vous n'êtes pas. Ce n'est pas ce qui est dit. Donc, oui. Et, regardez, honorer ses parents, c'est honorer Dieu. Parce que les gens qui savent, dans la société, ce sont nos dieux sur terre. Et donc, lui, il est honoré, c'est comme si on honore Dieu. On dit souvent, mais comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Ne pas aimer ton frère que tu vois. Il y a des autres noms, en tout cas, il y a un amour qui est dans sa vie. Mais, papa, il n'y a pas de problème, pas de publicité. Tu vas les détester, alors on va se passer dans le monde. Oui, honore ton père et ta mère. Cinquième péché, il y a le meurtre, dissoudre, ôter la vie. Mais ce péché-là, tu peux t'éloigner de Dieu parce que nous avons bien des vies à qui il y a rien à faire. Et c'est pour cela que l'Église dit non contre l'avortement.
Parce qu'une fois que l'avion fait promesse, il n'y a que des gens en amour. Il n'y a que des gens en amour. Cette personne vit déjà. Oui, après le vaincre, on dit l'adultère, tu ne connais pas par l'adultère. Mais il faut voir l'adultère ici au centre de Dieu. Parce que quand c'est une désobéissance à Dieu, ce n'est pas aux hommes. Parce que, au père des hommes, bon, tant que les messages du marque là, il y a des quelques années. Lui, il y a des quelques années. Et pourtant, au Dieu de Dieu, en principe, c'est une femme, l'homme qui verra son père et sa mère et s'attachera à une femme et tous deux auront du cœur. Une manière de dire aux yeux de Dieu, les hommes déjà à Dieu, que ce soit du côté bacala, du côté ghetto, il y a que les gens en passent par ce père. Mais bon, du point de vue de Dieu, on dit la lutte, c'est pour, comment on appelle cela, un conjoint qui trompe sa conjointe. Septième péché, on parle de vol. Le vol. Il y a des issues aussi. Voler. Voler. Bon. Si on peut comprendre le vol du jour, le vol de nuit, alors il est très grave. Depuis qu'on a sauté à la porte, une association de bizarre. Mais nous, 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 c'est de voir une telle technologie, on a beaucoup d'ailleurs la technologie, une telle technologie, pas ça à la mais pas la technologie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mais une telle technologie, ça n'a été pas du tout à la réalité, la misère. Ça va pas. Bon, tout ça. Le vol, voler la chose d'autrui. Et parfois, il y a des vols de nuit. 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 Mais il y a quelques mots aussi. Il y a une partie qui est là. Ça me dit. Il y a des salles de passeport, il y a moins d'air. Il y a des gens qui ont fait un travail, il y a des gens qui ont fait un travail, il y a des gens qui ont fait un travail. Moi, je n'ai pas dit ça, mais pasteur, on doit continuer à faire. Alors que le gouvernement va se mettre à l'attention, je dis, le vol, il y a aussi du souvenir. Il n'y a pas qui y a gagné. Mais le Seigneur dit, le premier problème du vol, c'est la question de la dignité. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il nous voit que ça va faire la dignité. Les gens n'ont pas compte
qui vient pas à nous. Ah! Il nous y a, c'est sûr que, par la carte-là, déjà, il faut nous dire la liste et la souffrance. Parce que, il y a des bêtes pour des éléments. Bêtes pour des éléments. C'est tout la carte qui a été l'école. Non, on a dit ça, vous qui êtes déjà ici là. Vous qui êtes déjà ici là, vous êtes parti quand même là. Regardez à l'heure de nous. Ça dit pas même modéliser, vous. Pas même modéliser, modéliser, vous. Gay, ça va la taille qui est en face. Et qui est très beau. Mais la carte à téléphone. Donc à l'idée, oui, en face, en tout la carte à téléphone, ça passe, et le Tito. 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 C'est-à-dire que non, c'est-à-dire, pas de téléphone. Et pourtant, vous aussi, vous avez la volonté de vous
la richesse. Chaque personne est une richesse. Mais qui n'a pas encore amené à une richesse? Au moins, après ça, il y a un yacht. Ça devient un élément effectif. D'abord, est-ce que vous avez une sécurité sociale? Oui. Oui, les autres, les deux autres péchés, c'est le désir du bien de l'autrui. Désir du bien de l'autrui. La personne n'a rien à voir. En plus du fait que c'est un péché, mais c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Mais surtout, ma chérie, non, on se partage quoi? Les chaussures, les habits, les chaînettes, les boucles, etc. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans cette chaînette. Benzaréa. Vous voyez là-bas, ma main aussi. Mais il y a. Yadi, Bakoutiaya, ses amis sont à Yadi. Mais presque chaque fois, Yadi est là-bas, Yadi est là-bas. La quatrième chose. Tous les jours, tous les jours, il dit, je lui demande, mais les salis, fais-moi partir, mais Yadi, non, attends, on m'avait pas le temps. Tambu la kinwa ji ko pe ta ku mama ki a ne do ma mun mun da zuwa be da mun ku ma ya ki 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 te ki pe ku sa bi o ko si mun ne zuwa ma ni est ce que comme il a dit dans la passion est ce que vous voyez ta bonne aussi la la personne ma chaîne ta oui non comme la carte de la chaîne ya na da ko mo ku si ok bata mun ko. C'est comme ça qu'il se permettait souvent. Oui, mais ici, l'envie des liens de lui, mais les autres aussi, les désirs de la femme de lui. Les désirs de la femme de lui, ça fait penser aussi à la nature. Mais comme péché caractère. Péché caractère. Péché caractère, péché, péché. Mais à vous désirer, moi, son tatou, il a dit, etc.
Soit on a déjà la ça, soit on a déjà la vie. Et on va savoir ok, il est là. C'est-à-dire que vous écoutez des dames. Parce que si y a que ça, ça va vous taper. La poussade de l'eau. Mais ça veut dire qu'il y a des vraiment déjà dans la vie. Il y a que pour moi, sans que tu te comprends cela. Oui, je profite, comme il y a des occasions, et surtout c'est le deuxième dimanche de Pâques, où on parle de la miséricorde divine. Aujourd'hui, nous avons suivi dans l'évangile comment on nous a dit clairement Jésus a béni l'esprit et a dit à ses apôtres, à qui vous remettez les péchés, ils leur seront pardonnés. À qui vous retirerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Donc, il ne faudrait pas que puis, quand peut-être nous avons des amis protestants qui disent non, mais ça fait à quoi d'aller se confesser devant un prêtre, lui aussi c'est un péché, c'est un mortel. Il y a quelques mais sociales. Les évêques et les prêtres ne vont que mettre à la protection ce que Jésus leur a dit. Maintenant, si vous, il y a un souci naturel, ça y a. Il y a un salaire. S'il y a une volonté, il y a un salaire. Oui. Cinquième, on dit, tu gèneras les jours recommandés par l'Église. On ne s'en rend pas compte. Oui, c'est vrai. Oui, il y a ta part qui est responsable. Qui est en train de se faire avec lui. N'a plus osé lui, n'a plus osé papa. Les jeunes de parole, les jeunes d'action mauvaise, oui. Mais si vous avez la vie, il faut que ça arrête. Il y a des jours où il faut chier. Il y a des jours où il faut gêner. Ça fait partie de la tradition qu'il y avait. Et maintenant, on va s'arrêter. Il y a un certain niveau sur lequel vous pouvez signer la salade de la jeune. Après tout le temps, parce que la boule peut être grave. Il faut se lever dans la prière. Il ne faudrait pas péter la samila, mais la salade va se semer tous les jours. Après, à quatre ans, papa, on peut se lever, puis s'accaparer. Non. Il faut que si nous, puis s'accaparer, et la nuit, par le final du mot aussi. Parce qu'à force de prier, et le jeûne dispose à prier, à l'élévation spirituelle. Dispose. Avant que Jésus mette par la main à vous, ça, il a fait le jeûne pendant 40 jours. Donc, il s'est préparé spirituellement. Préparé spirituellement. Vous savez que le jeûne aussi a de la valeur. Donc, au-delà de faire vivre, celui qui ne jette pas pêche, mais il a d'autres qualités, d'autres vertus, que les sujets que le jeune aide aussi à se lever spirituellement. Sixième commandement, les gens ne savent pas ça. Et je suis sûr qu'il y a des signes dans les pas. Parce que c'est clairement dit, hein, vous m'avez souri quand même. Tu ne mangeras pas de viande de ton petit et les jours poussés par l'Église. Les vendredis. Bon. Les gens ne veulent pas commencer. Est-ce que sous-sous, ça c'est notre débat. Pour que tu la reste. Mais en principe, c'est une viande. Et donc, vous imaginez, si tous les chrétiens disent non, va établir sous-sous. Un vendredi. Ah! En tout cas, peut-être le chiffre d'après est connaissant et utilisé. Parce qu'il y a des vendredis. Peut-être que pendant toute la semaine, peut-être vous trouvez ça à bord. Il nous vient et il y a la commande à c'est là que l'Église qui n'a jamais dit non, il faut qu'il y ait la paix de Dieu. Oui. Nous, quelque chose, quatre petites choses à faire, que vous avez tout. Dans le temps de l'opposition. En fait, Bébé Dagala
tout cela, il y a la question du cœur d'abord. En fait, c'est ce mot qui est la parole d'abord dans la pensée. Oui, il y a des péchés en pensée. Vous savez, il y a des gens qui vivent en eux. Si on montre des mauvaises actions, non, ils n'ont pas, encore pas de mauvaises actions. Mais est-ce que les âmes n'y a pas? Non, parfois la partie n'y a pas, parfois déjà, ça va vivre nos sous. Et donc, oui. Il faut aussi purifier les cœurs. Il faut aussi purifier les cœurs. Oui, les pensées. Les paroles. La confession, c'est. Mais pourquoi est-ce que nous parlons? Ça n'est une définition. Quel est l'objectif de la parole? Parce que disons que justement, nous avons le fait qu'il y a rien et rien à ça, qu'il n'y a pas. Dieu ne peut pas nous avoir donné nos bouches pour insulter. Non. Non, il y a des hommes, je ne pouvais pas la laisser. Donc, c'est-à-dire que le fils a dit, m'a yanké, parce que, dans les mots, vous savez ce qu'il y a. Donc, il y a un petit cas. Donc, par contre, insulter, tu ne peux pas te méditer. Il faut aussi que tu manges. Donc, comme l'autre dit la salle, ça bouge avec les études, il faut que Dieu aussi ait la meilleure et la divine. Donc, on sent que, est-ce que c'est pour cela que Dieu a la main dans la main? Le sondage, est-ce que c'est pour ça que Dieu a la main dans la main? Les rumeurs, rumeurs. Ah! C'est-à-dire qu'il y a tellement de rumeurs qui suivent. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur WhatsApp, les rumeurs, pas les carrés, non, mais que ça va dire, il y a des couilles, il y a des salades, des rumeurs. C'est quoi l'homme ou la femme? Tu en mets d'abord comme enfant. C'est
quand un enfant commence à se sentir bien, il vient de lui faire une citade. Et ça, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Parce que parfois, il y a beaucoup de péchés comme ça. C'est-à-dire, oui, je vais vous dire, on a fait ça, ça m'a fait ça, mais tout le temps, il n'y a pas. C'est-à-dire, finalement, c'est vraiment la parole de Dieu, alors c'est la foi. On a dit, l'homme qui fera son père, sa mère, il s'attachera à sa foi. Mais Dieu, papa, m'a appelé, soyez même gêné, tout le temps, il faut que non, avant que le vent n'ait arrivé, il y a une chose qui m'a appelé, il faut qu'il y ait une carte. Si une idée a croisé, il y a quelqu'un qui soumou. Il y a quelqu'un qui soumou, il faut bien dire ça. Parce qu'il est parti, il y a un écouet là. Oui, il y a un écouet, sauf ça, comment on appelle ça, malheur, il y a un conseil et tout. Mais, non, il ne veut pas faire tout ce qu'il veut décider, il faut d'abord y aller à la vie. Mais, ma foi là, il y a que ça, mais il y a. C'est-à-dire aussi bien ceux qui sont dans le pays qui font ça, les belles familles aussi qui font ça, ah, il y a que des gens. Il y a que des sous. Oui. Quel métal? En fait, on a l'impression que la Bible est dissoute. Et parfois, avec une Nazareth, nous connaissons que telle chose qui n'est pas vraie. Mais la grosse question, c'est sans vous voyez une ça. Nous savons très bien que faire telle chose, c'est contraire à la Bible, c'est contraire à la parole de Dieu, c'est contraire à la volonté de Dieu, mais ça n'a rien. Mais ça n'a rien de Nazareth. C'est peut-être pour dire quelque chose de très important. La question du péché, c'est la question du bien. Samaïl dit que la parole, qu'est-ce qui est bien? Parce que c'est tout cela. Les gens pêchent parce qu'ils ont parfois une autre conception du bien qui est différente du bien selon Dieu. Si, c'est uniquement ça. Si je prends par exemple l'exemple que je disais, non, le bien selon l'homme, ça peut être que non, pas que je sois bien, beau. Alors peut-être que ce que Dieu dit, c'est que ton cœur soit bon. L'autre jour, je suivais. Je regardais les statuts par ça, je suis tombé sur un statut d'une dame qui poste des citations de Pâques et Dieu. Et Pâques et Dieu dit ceci: tu as compris le choix, tu vas choisir entre la richesse terrestre et la richesse céleste. Mais sache une chose, c'est qu'il y a certains qui seront inutiles au royaume de la paix. Oui, tout est permis, mais il n'était pas utile. Tout est permis, mais il n'était pas utile. Il y a certaines choses qui nous sont permises et qui ne nous seront pas utiles. Mais ce qui nous manque, c'est souvent la justice. Nous autres, nous sommes ceux qui nous possèdent. Non, en tout cas, il a réussi dans sa vie. Et quand on dit cela, c'est parce que dès qu'il y a un Baba, il y a un Kéto, il y a un Kénarizo, il y a un Kénarizo, il y a un Kénarizo, il y a un etc. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que pour avoir cette richesse-là, il faut être d'abord comme riche. Parce que pour avoir tout ce bien-là, soit tu es riche de bonne, soit alors tu es riche de vertu, soit tu es riche de vie, soit tu es riche de vertu. C'est clair. C'est l'ennemi qui a fait passer le poids. C'est-à-dire, soit de que nous, que nous,
kena salami yeke mungu kena mayela kiesa edona maleya na mayela mbo na ngolofi ya mapoko keko sina makumu vi yeme sara ezami kena semange yeme kwa il faut que nous soyons capables de dire aux gens que le véritable bien c'est d'abord en soi. C'est le bien, la réussite passe d'abord par ce que j'ai fait de moi. C'est ça. Ce ne sont pas les péchés. Ce n'est pas la tricherie. D'abord, on va venir la réussite à savoir s'il y a un endroit. Ou bien la salaire ou après, et que ton péché, peut-être un nouveau lieu de Dieu, il y a de la salaire. Une manière que ça va bien, je viens de s'y parler. Et après, on va dire, ah, oh, t'es bien joué, est-ce que tu as pas gardé les possibles? Les possibles. Ah, peut-être quand il y a des nationaux, ça veut dire que nous sommes. Le problème du péché, c'est le problème de ce que je considère comme bien. Parce que si pour moi je considère que lui n'a rien de bien, alors que ça n'y a pas. Si ce n'est pas bien, que ça n'y a pas. Mais il faut admettre qu'il y a une réussite. Je vais passer. Nous avons pour un colonel. Il ne faut pas parler de lui parce que ça fait sa simplicité de l'émeute. C'est-à-dire qu'il avait un bon poste, n'a pas comme de main, n'a camion, n'a ivre de service, tout. Mais comment est-ce qu'on a rien à faire? Tu as tout cela, tu as tout ça, tu as la. C'est pas bon, vous comprenez. N'a pas rien à faire. Tu n'as tout ça, tu as. Non, soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Si tu es contre nous, non, ça veut dire que peut-être qu'un jour ou l'autre, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Dis, ok, moi, je ne devrais jamais avoir de vous. Et vous, y allez, il est tenu à la pêche, le fait même anticiper, parce que là, ça y a, le fait d'anticiper, y a une autre qui a, il est suivi, il est calme, mais il est fier. Il est bien. Il est bien. C'est la question du bien. Le secret pour ne pas s'éloigner de Dieu, il faut avoir le cœur qui pense comme Dieu, qui aime ce que Dieu aime. C'est ça le secret. Et c'est pour cela que nous avons commencé la semaine dernière avec ce beau thème, Dieu a un plan d'avenir. Ce n'est pas pour ça, c'est une continuité. En fait, pour qu'une personne puisse quitter certaines habitudes, il faut qu'il découvre que même s'il abandonne ce monde, même s'il perd quelque chose, Dieu a quand même un plan d'avenir pour la paix de Christ. Celui qui va abandonner ses objectifs, qui sache que Dieu a un plan de Dieu pour lui. Il va lui montrer que sa seule étude, tu pourras avoir plus que ce que tu n'avais pas prévu. C'est ça. Quittons ses péchés. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais si nous regardons ce qui vient est forcément pour nous. Même si ce n'est pas pour nous, mais pour nos enfants. Pardon, nous condamnons plus nos enfants, parce que la parole de Dieu dit clairement que je punirai la faute des parents sur les enfants jusqu'à la quatrième génération. C'est-à-dire, si nous aimons un peu seulement nos enfants, pardon, mes enfants. Si nous les aimons vraiment, mes enfants, n'avons pas la couleur de Dieu.
Au contraire, faisons tout naturellement la guérison. Parce que, de la même manière que si forcément il punit sur quatre générations, sa bénédiction s'étend sur une génération après le Christ. Regardez comment il a béni la vie. Il a donné la bénédiction qui n'est pas une bénédiction. Il a fait que ses son descendants de toute la terre appartiennent. Peut-être que nous n'aurons pas la grâce de David, mais qu'est-ce que c'est? Si nous avons aussi le même cœur de David, pourquoi est-ce que Dieu ne nous bénira pas? Pourquoi? Est-ce que Dieu nous a créés pour toute la douleur? Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu fait des favoritismes? Que Dieu nous donne sa force pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu et fuir le péché, la paix du péché. Amen.